ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on continue, on se retrouve inshallah dans la joie et la bonne humeur dans sa suite de ce cours sur le mariage. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى جاء في القرآن أنوري وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Faites bonne attention à Allah Ta'ala. Par application, cette ayah honorée, s'entraider pour le bien dans l'apprentissage de notre belle religion et les lois concernant le mariage pour une vie conjugale vertueuse. Et on fait une bonne intention à l'Illah et Ta'ala en cela, par recherche l'agrément de notre Créateur, Allah Azza wa Jal, et par application de la parole du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Al-Bukhari, l'imam des savants du hadith, rapporte dans son sahih que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ya marshal al-shabab, man istator aminkum al-ba'ata, fal yatazawaj. » Ô vous, le groupe de jeunes gens, il passait à côté de jeunes gens, et a dit « Ô vous, les jeunes, celui parmi vous qui est capable de se marier, alors qu'il se marie. » Et il a dit, فَإِنَّهُ أَرَضُّ لِلْبَصَرُ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجُ. Ça veut dire, car certes, c'est une cause pour préserver ses yeux des regards interdits, des regards avec désir interdits, et c'est une préservation également du sexe et du fait de tomber dans l'adultère. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطْوِرْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Et celui qui n'est pas capable de se marier, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطْوِرْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ وَبِالصَّوْمِ. Et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ. Ça veut dire, et certes, le jeûne est pour eux, pour les gens qui ne sont pas capables, qu'il a dit فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. C'est-à-dire, certes, il s'agit d'une protection pour lui. Dans ce hadith honoré, le prophète alayhi salam a encouragé les jeunes qui sont capables de se marier, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi payer la dot, qu'on a vu dans le cours précédent, ils ont de quoi payer la charge de l'épouse pour la journée et la nuit du mariage, pas pour toute l'année ou en 10 ans, elle est capable de s'acquitter de la dot et de payer la charge de l'épouse, la nourriture, l'habillement, le logement, etc. pour la journée du mariage, et après le reste c'est au jour le jour, bien sûr. Donc après il va acquérir subsistance au jour le jour, donc il complétera plus tard le reste. Et c'est ce qu'on appelle al-urba, c'est-à-dire que la personne a les moyens de se marier. Et bien lui, si il a besoin de se marier et qu'il a les moyens, alors c'est recommandé pour lui qu'il se marie. Et comme on a vu, le mariage n'est pas tout le temps recommandé, mais dans ce cas-là, c'est recommandé. Et il a dit, فَإِنَّهُ أَرَضُّ لِلْبَصَرِ. Car certes, ça aide la personne à se préserver des péchés des yeux. Comme on a vu, le mariage, c'est une cause de protection pour la piété de la personne, et c'est une aide dans sa religion. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. Et c'est une aide pour préserver la personne de l'adultère et de la fornication. Et après, il a dit, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطْوِرْ. Et celui qui n'est pas capable de se marier, فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامُ وَبِالصَّوْمُ. Ça veut dire, alors qu'il jeûne
Car certes, le jeûne est une protection pour la personne. Le jeûne est un grand bienfait de la part de Allah Azza wa Jal, et le fait que la personne se prive de manger et de boire pendant certains jours, ça affaiblit son désir et ça l'aide à patienter dans le fait de ne pas pouvoir se marier. Et également, le jeûne, c'est une aide aussi pour patienter dans le mariage. Comment cela? Eh bien, des fois, le mari n'a pas tout le temps la suffisance et la subsistance pour subvenir aux besoins de son épouse. Et le prophète, alayhi salam, lui-même, des fois, ça lui arrivait de rentrer chez lui et demander à sa femme, est-ce qu'il y a des choses à manger à la maison? Et des fois, sa femme a répondu, il n'y a rien à manger. Et qu'est-ce qu'il disait le prophète, alayhi salam? Il disait, idan asum. Alors, dans ce cas-là, eh ben, je jeûne. Le prophète, c'était le matin, et les savants, ils ont dit, à partir de ce hadith-là, que le prophète, alayhi salam, c'était la matinée, il avait encore rien mangé, et pour faire un jeûne sunna, la personne a le droit de faire l'intention le matin, avant l'entrée du temps du dhuhr, avant midi, avant la moitié de la journée, mais avant l'heure du temps du dhuhr, quand le soleil décline du milieu du ciel. Et donc le prophète, alayhi salam, des fois, il avait rien à manger chez lui, et c'est pas, il criait sur ses épouses, ou il avait un mauvais comportement, mais des fois, quand il voyait qu'il avait rien à manger chez lui, et ben dans ce cas-là, je fais un jeûne sunna. Et transformer le manque de nourriture en acte d'adoration par recherche l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et c'est pas le seul qui faisait cela. Bien plus que cela, dans les communautés antérieures, avant même la communauté du prophète Muhammad alayhi salam, dans la communauté de Banu Israël, il y avait une femme vertueuse, une fille de roi, une femme qui était détachée de ce bas monde, une pieuse, une vertueuse, qui avait été demandée en mariage par un prince. Et elle a refusé. Elle n'a pas voulu se marier avec ce prince-là. Et elle a envoyé sa servante, elle a dit, trouve-moi un homme pauvre, détaché de ce bas monde-là, qui soit pieux, qui soit vertueux, afin que je me marie avec lui. Donc sa servante, elle est sortie du palais, elle est chercher, et elle a trouvé un homme miséreux, qui avait très peu de choses, qui était habillé avec un habit humble, et elle a vu que c'était un homme qui était vertueux, et elle s'est dit, ah, c'est lui que ma maîtresse, elle recherche un homme comme cela, qu'elle désire comme mari. Donc elle en a informé sa maîtresse, et sa maîtresse, elle a convoqué cet homme-là, elle a dit, voilà, moi je cherche quelqu'un qui soit détaché du bas monde, etc. Et l'homme, il a dit, mais moi j'ai rien d'autre pour me marier, j'ai pas de dot et pas de bien si ce n'est l'habit que je porte. Et l'habit que je porte, il me sert comme habit la journée et comme couverture la nuit. C'est-à-dire que mon seul habit, c'est ma couverture la nuit et mon habit la journée. Et cette femme-là, elle a dit, mais moi je t'accepte et je t'agrée tel que tu es. Et si tu es d'accord pour te marier avec moi, alors ramène-moi à ta famille, et on fait le contrat, etc. Et l'homme, il a accepté, et ils se sont mariés. Et du coup, cette femme-là, elle a quitté son palais, elle a quitté sa vie de princesse pour vivre avec cet homme-là qui était pauvre et vertueux. Et donc cet homme-là, tous les jours, il partait quérir sa subsistance, parce que dans le passé, il travaillait au jour le jour. Et en attendant que cet homme-là, il ramène la nourriture à la maison, qu'est-ce qu'elle faisait son épouse, qui était une princesse, une fille de roi, qui vivait auparavant dans les palais, et dans l'opulence de sa famille, eh ben, dans l'attente que son mari qui était pauvre, il revienne lui ramener à manger, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle transformait son attente en acte d'adoration et elle jeûnait. Elle jeûnait la journée tandis que son mari, il partait chercher sa subsistance, et le soir, quand son mari rentrait du travail, eh ben, il ramenait quelque chose à manger et elle rompait son jeûne. Et comme ça, tous les jours, subhanallah, regardez les gens vertueux, comment elle a transformé la difficulté en patience et en acte d'adoration envers Allah Azza wa Jal. Jusqu'au jour où son mari, qui était très pauvre, il est parti créer la subsistance en travaillant dehors, et ça montre qu'en islam, c'est une bonne chose de travailler, d'accord? Dieu l'agrée que les hommes y travaillent et que la personne ne soit pas paresseuse. Bien plus que cela, le prophète, alayhi salam, dans certaines de ces invocations-là, eh ben, il invoquait Allah pour que Dieu le préserve de la paresse. Mais si le prophète n'est pas paresseux, pour nous enseigner à se préserver de la paresse. Allahumma inni a'udhu bika min al-rajzi wal-kasal. Où Allah te demande la préservation contre la faiblesse et la paresse. Et donc les prophètes, le prophète Mohammed, il faisait du commerce, t'as des prophètes comme Adam qui labourait la terre, qui travaillait les champs, t'as le prophète Zakaria qui travaillait le bois, qui était menuisier. Beaucoup de prophètes, ils ont travaillé dans le bas monde pour avoir leur subsistance et leur suffisance. Et cet homme-là, vertueux, qui était très pauvre, tous les jours, il partait travailler, et le prophète, qu'est-ce qu'il disait? Que la plus lucide des subsistances, c'est celle qui provient du travail de tes mains. Et que parmi les plus lucides des subsistances, il y a celui qui laboure la terre et qui cultive la terre et celui qui fait du commerce. Et il a dit à alayhi salam, il vaut mieux que tu descendes en bas de la vallée, tu cueilles du bois, que tu le transportes sur ton dos, ce fardeau-là,
et que tu vendes aux gens ce bois-là plutôt que de mendier aux gens et que les gens te donnent ou qu'ils ne te donnent pas. C'est-à-dire que la meilleure des subsistances, c'est celle que tu acquiers du travail de tes mains et de tes propres efforts. Donc cet homme-là vertueux, dans le passé, dans la communauté du Banu Israël, celle qui nous a précédés, cette communauté-là, des prophètes antérieurs, il partait donc tous les jours acquérir sa subsistance. Sauf que ce jour-là, il n'a pas gagné de quoi ramener à manger pour sa femme vertueuse qui est en train de jeûner. Et donc là, il s'est mis à désespérer, à être triste. Il a dit, mais moi je vais rentrer chez moi, ma femme qui est vertueuse, elle a jeûné la journée, et j'ai rien de quoi lui ramener pour qu'elle puisse rompre son jeûne. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas mis à voler ou à mentir ou à tuer pour avoir l'argent du haram ou une subsistance interdite. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les ablutions, le woudou. Et ça montre que la prière et le woudou, ça existe dans d'autres communautés antérieures. Il a fait les ablutions, le woudou. Il a fait la prière et il a invoqué Allah Azza wa Jal, que Dieu lui accorde la subsistance. Il dit, oh Allah, certes moi, je ne veux que ton agrément et je ne veux que accorder la subsistance et ramener quelque chose à manger à ma femme qui est en train de jeûner et qui m'attend. Oh Allah, aide-moi. Et tandis qu'il invoquait, il sait alors qu'une perle magnifique est descendue du ciel et elle est descendue comme ça entre les mains de cet homme-là qui invoquait. Et cette personne-là, il levait les mains vers le ciel. Ça ne veut pas dire que Dieu est au ciel, bien sûr. Mais le ciel, comme il disait savant, c'est Marbitur Rahamat. C'est de là que les barakas descendent. N'est-ce pas que la pluie descend du ciel et que beaucoup de mazaïkans descendent du ciel parce que le ciel, c'est la demeure des anges. Et les anges sont tous des saints. La yarsouna Allah ma amarahum wa yafalun ma yu'marun. Comme Dieu a dit dans le Coran, que tous les anges obéissent à Allah Azza wa Jal. Ba'ibadum mukramun, bal'ibadum mukramun. Ce sont plutôt des esclaves honorés. Donc Dieu, il a créé le ciel, il existait avant le ciel. Dieu a créé le temps, donc il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis aux endroits, parce que Dieu existait avant les directions, avant le ciel, avant la terre, et avant que Dieu crée les cieux et la terre et ce monde, et était ni dans ce monde, ni à l'extérieur de ce monde. Il existait sans être dans ce monde-là, ni à l'extérieur. Et après que Dieu ait créé les cieux et la terre, Dieu ne change pas. Il est tel qu'il est de toute éternité, sans être dans le ciel et sans être sur terre, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le grand savant Abou Mansour al-Bardadi al-Tanimi, il a écrit dans son livre, depuis des siècles, Al-Farq bayn al-Firaq, la différence entre les différents en groupes égarés qui se réclament de l'islam. Il a rapporté l'unanimité et il a dit wa ajmaru ala annahu la yahwihi makan wa la yajli alayhi zaman. Que tous les savants musulmans, depuis l'époque du Salaf jusqu'à aujourd'hui, sont tous unanimes que Dieu n'est pas circonscrit, que Allah n'est pas entouré ni circonscrit dans l'espace, dans un endroit ou dans un lieu quelconque, et que le temps ne s'écoule pas sur lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est par unanimité de tous les savants, comme il rapporte l'ijmar, l'unanimité, le consensus des savants, le grand savant Abou Mansour al-Bardadi al-Tamimi, qui était un grand savant hanbalite de l'école de Ahmed ibn Hanbal. Donc quand cette perle-là est descendue du ciel entre les mains de cet homme-là vertueux, qui était pauvre, il est rentré chez lui. Et sa femme a demandé de corrompre le jeûne. Il a dit, j'ai travaillé, j'ai pas trouvé de quoi te ramener comme subsistance, mais j'ai invoqué Allah Azza wa Jal et il m'a accordé cette perle-là précieuse. Et quand sa femme, qui était une femme, une fille de roi, donc elle avait vu des diamants dans sa vie, elle sait à quoi ça ressemble une perle précieuse, elle a vu cette perle magnifique, elle a dit, mais moi j'ai jamais vu une telle perle, même dans ma famille. Elle s'est dit, mais ça c'est pas quelque chose qui est habituel dans le bas monde. Et regardez, elle ne sait pas, elle a pris la perle, elle s'est mise à acheter des robes ou à devenir folle ou je sais pas moi, à mettre son mari à la porte et récupérer tout pour elle, etc. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, retourne à l'endroit où tu as invoqué ton Seigneur et invoque Allah Ta'ala par ces mots-là. Dans le sens, ô Allah, toi qui m'as accordé cette perle-là, si c'était une perle que tu nous avais réservée dans l'au-delà comme trésor du paradis, alors reprends-la. Et si c'était un bienfait de l'au-delà que tu nous as précipité dans le bas-monde, alors reprends-le. Et si c'est un bienfait que tu nous as prescrit pour le bas-monde, alors accorde-nous-le. Et donc cette personne-là, elle est retournée à l'endroit où elle avait fait la prière, le woudou, et invoqué Allah Azza wa Jal. Et il a invoqué Allah, Ya Allah, toi qui m'as accordé cette subsistance-là, si c'était une subsistance qui nous atteint dans l'au-delà et que tu as précipité dans le bas-monde, alors reprends-la pour l'au-delà. Et si c'était quelque chose pour le bas-monde, alors accorde-nous-la. Et la perle, elle est remontée dans le ciel. En fait, Dieu l'a fait voir
à ce couple-là un des bienfaits qui leur attendait au paradis. Et eux, tellement ils étaient vertueux et détachés du bas-monde, ils n'ont pas voulu que Dieu leur précipite dans le bas-monde un des bienfaits de l'au-delà. Et donc, après qu'ils ont vu là ce bienfait-là du paradis, eh ben, ils ont su qu'ils iront au paradis. Et donc, quand l'homme il est revenu vers son épouse et il a dit que ben, Dieu a repris cette âme-là précieuse, cette femme-là, elle a dit, eh ben, à partir d'aujourd'hui, je ne me soucie plus guère de savoir si je vais manger ou pas. Et même si je dois jeûner jusqu'à la mort, etc. Parce que la bonne nouvelle, qu'elle ainsi que son mari, ils entreront au paradis. Regardez la baraka de l'épouse vertueuse. Regardez la baraka de l'époux vertueux qui ont appris la religion et qui ont mis leur au-delà dans leur mariage avant toute chose, avant même leur propre subsistance. Donc vous ne mariez pas uniquement pour imiter vos parents, parce que socialement c'est admis, etc. Non, mariez-vous pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Mariez-vous pour vous entraider dans le bien. Vous savez qu'il y a une histoire comme ça, où il y a un saint et une sainte qui se sont mariés, et pendant 20 ans, ils faisaient la prière tous les soirs ensemble, etc. Et c'est au bout de 20 ans qu'ils ont eu l'idée d'avoir des enfants. Ils n'ont même pas pensé à avoir des enfants. En fait, ils se sont mariés pour s'entraider dans la vertu et les prières nocturnes, l'acte d'adoration. Au bout de 20 ans, ils se sont dit, bah, finalement, si on avait des enfants. Il y a des gens qui se marient pour s'entrer dans le bien. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais même si tu te maries pour avoir des enfants, fais que ça soit sur une base solide, un socle solide de la religion. Parce que oui, mon frère, oui, ma sœur, tu as même des récompenses à faire le rapport intime si tu le fais pour l'agrément de Allah Azza wa Jal, pour augmenter la communauté du prophète Muhammad salam et pour te préserver ainsi que ton épouse de la fornication et de l'adultère. Donc on termine par ce hadith-là. On n'a pas dit que le prophète l'a dit, « Oh vous les jeunes hommes, mariez-vous si vous êtes capables de vous marier parce que c'est une préservation pour les yeux et pour le sexe de la personne et celui qui n'est pas capable alors qu'il est jeune. » On termine par un dernier hadith qui est rapporté du compagnon Abu Dhar al-Ghifari, qu'il y a des gens de parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont allés voir le prophète, alayhi wa sallam. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, dhahaba aruddu thuri bil ujur. Oh, messieurs de Allah, les gens qui ont de la fortune, qui sont riches, ils sont partis avec toutes les récompenses. Et c'est eux qui ont le plus de récompenses, plus que nous, qui sommes pauvres. Yusalluna kama nusalli. وَيَسُمُونَ كَمَا نَسُمْ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُدُولِ أَمْوَالِهِمْ. Elle dit parce que les riches, ils font la prière tout comme on fait la prière. Et ils jeûnent tout comme nous jeûnons. Sauf que eux, ils font des aumônes avec le surplus de leur argent et de leurs biens. Et donc le prophète, alayhi salam, il a enseigné à ces pauvres-là qu'il n'y a pas que les aumônes qui rapportent des récompenses pour les gens. Elle dit أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ Inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'anil munkar sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, mais n'est-ce pas que Dieu vous a accordé des choses avec lesquelles pour avoir des aumônes, c'est-à-dire des sadaqa, des choses qui vous rapportent des récompenses, même si c'est pas des aumônes d'argent? Il a dit, toute tasbiha, à chaque fois que tu dis subhanallah, que tu mentionnes Allah par ta langue, que tu fais son éloge, c'est une sadaqa. Tu as des récompenses. Toute takbira, quand tu dis Allahu Akbar, ça compte comme une sadaqa, tu as des récompenses. À chaque fois que tu dis alhamdulillah, ça compte comme une sadaqa, tu as des récompenses. À chaque fois que tu dis la ilaha illallah, ça compte comme une aumône, c'est une sadaqa, tu as des récompenses. Le fait d'ordonner le bien, tu as des récompenses, c'est une sadaqa. Le fait d'interdire le mal, tu as des récompenses, c'est une sadaqa. Et après, il a dit, et dans le sexe de chacun d'entre vous, il y a une sadaqa, il y a des récompenses. Et dans le rapport sexuel ou le sexe de la personne. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُنْ لَهُ فِيهَا أَجَرٌ. Ils ont dit, mais ô messager de Allah, est-ce que l'un parmi nous, il va assouvir son désir charnel et il aura malgré ça des récompenses dans cela? Dans le rapport sexuel, Yanni? Et qu'est-ce qu'il a répondu le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit, Ara'aytum, la wadaraha fi haram, akana alayhi fiha wizar, fa kadhalika, iza wadaraha fi halal, kana lahu ajr. Il a dit, mais voyez-vous donc, n'est-ce pas que si quelqu'un, il emploie ses parties intimes dans la fornication,
et le rapport sexuel interdit et le rend en cela un péché, et ben de même, s'il emploie cela dans ce qui est permis dans le mariage, et ben le rend cela des récompenses. Et les savants, ils ont dit quoi ? Ils ont dit, si quelqu'un fait le rapport intime avec son épouse dans l'intention de s'acquitter du droit de l'épouse, parce que l'épouse aussi, elle a des désirs, que si le mari fait jamais le rapport avec elle, elle aura peut-être tendance à vouloir faire adultère, ou ce sera une nuisance pour elle, au point que chez les maléfiques, elle va même demander le divorce. Si ça perdure trop longtemps et que ça nuit à la femme, elle peut demander que le mari la sépare, si jamais il fait le rapport avec elle. Donc si le mari fait le rapport sexuel avec son épouse, le rapport intime, dans l'intention de rendre le droit à sa femme de s'acquitter du droit de son épouse, pour pas que ça soit une nuisance pour elle, il a des récompenses. Si c'est dans l'intention d'avoir un enfant, il a des récompenses avec une bonne intention. C'est l'intention de préserver la chasteté de son épouse. Il a des récompenses. Si c'est dans l'intention de se préserver lui-même de la fornication, n'est-ce pas que le prophète nous enseignait que si tu vois une jolie femme dans la rue qui est pas ton épouse et que l'envie te vient de faire le rapport, le prophète a dit alors tu rentres chez toi et tu fais le rapport avec ton épouse pour casser cette envie-là de faire l'adultère. Et t'as des récompenses en cela. Parce que tu sers de ton mariage qui est halal pour te protéger du haram. Et donc, tout cela, ce sont des bonnes intentions vertueuses. Et c'est pour ça que le prophète l'a dit, même dans le rapport avec ton épouse, tu as une bonne intention, tu as en cela des récompenses. Et c'est en cela également une sadaqa. Donc, Al-Bukhari rapporte que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ? Ya marshara shabab, ô vous le groupe des jeunes gens, manistator aminkumul ba'ata falyatazawwaj. Celui parmi vous est capable de se marier alors qu'il se marie, fa innahu aradul basar, c'est une cause de préservation des yeux, wa ahsanul farj, et c'est une cause de préservation de la chasteté de la personne, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija, et celui qui n'est pas capable de se marier alors qu'il jeûne, car certes le fait de jeûner ça l'aidera à réduire son désir et à préserver sa chasteté. Que Dieu nous accorde des mariages vertueux et les récompenses et la baraka dans nos mariages. Et on se retrouve prochainement, Inch'Allah, pour la suite de cette série de cours. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa jami'in nabiyyin wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.